Bonjour, bienvenue au TVA Midi. Montréal vibre dans l'ambiance de la Saint-Patrick. Le défilé commence d'ici quelques minutes et Philippe, l'ambiance est déjà à la fête. Hey, à vrai dire, Véronique, ça vient tout juste de commencer. On peut les entendre, ces fameuses cornemuses, 199e édition du défilé de la Saint-Patrick à Montréal. C'est le défilé le plus vieux de la Saint-Patrick au Canada, deuxième plus vieux en Amérique du Nord. Je vous l'ai mentionné, 199e édition. Et vous allez voir, chars allégoriques, musiciens, participants. Au total, c'est 2000 personnes qui vont participer à ce défilé sur le boulevard de Maisonneuve. Nouveau trajet cette année. Et au lieu de parcourir la rue Sainte-Catherine, ce sera sur le boulevard de Maisonneuve. On peut entendre quelques participants qui avaient très hâte au défilé, qui ont été un peu se mettre dans l'ambiance très tôt ce matin là, dans certains bars de Montréal. Il est un peu tôt, là, j'avoue, là, mais c'est à Saint-Patrick, on va s'amuser. Là. Avec amis, avec la famille? Avec amis, là. Je pense que la famille, c'est un peu plus tranquille aujourd'hui, mais les amis, on a hâte à voir la parade. Et t'sais, en effet, moi, j'y vais marcher dans la parade, alors ça va être du fun, ouais. C'est ma troisième année que je fête, que je vois la parade. C'est ça, c'est le fun. C'est une journée spéciale pour nous. Ah, c'est le fun d'aller dehors, puis voir le parade, puis tout ça, puis c'est le fun. On boit à 10h du matin, mais c'est le fun quand même. Et Véronique, on va tout de suite aller se promener un peu dans les participants, les nombreux participants. On attend près de 200 000 personnes pour assister à ce défilé. D'ailleurs, on va aller voir cette petite famille. Pourquoi c'est important d'aller célébrer justement la Saint-Patrick? Pour promouvoir notre héritage irlandais, là, pour voir les personnes, pour voir un peu tout, montrer aux plus jeunes c'est quoi. C'est rendu une tradition pour vous. Non, elle n'est jamais venue, c'est la première fois que je l'amène, mais mon grand-père est irlandais, puis il m'amenait quand j'étais petite, que j'ai toujours voulu l'amener. Donc, on voit qu'ici, l'esprit familial est très important. Je pense qu'ici aussi, la famille, on voit votre petite fille. Oui. C'est sa première édition? Oui, exactement. C'est la première édition. On habite normalement en Allemagne. On est ici. C'est une longue tradition à Montréal de venir ici. Et quoi mieux de célébrer notre héritage irlandais? Donc, vous l'avez entendu, on a fait un petit détour de l'Allemagne pour venir fêter 199e édition du défilé de Montréal de la Saint-Patrick. Donc, vraiment, là, on a plusieurs activités là, tout au long de la journée pour fêter la fête des Irlandais. On y reviendra. Merci beaucoup, Philippe, et bon défilé.